L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mote Balandino, soit l'émission Moseka Malheur Moderne. Bienvenue sur ce chat en direct. Welcome, soyez la bienvenue. Voilà, aujourd'hui, je vous présente dans ma rubrique Fait Maison un sirop de maïs. C'est fait à base de maïs et de sucre. Ça ressemble à du miel, mais c'est bien un sirop de maïs qu'on trouve parfois dans le commerce. En tout cas, ici, moi, j'en trouve dans les supermarchés. Et voilà, on peut l'utiliser par exemple. Ici, je vais prendre 2 cuillères pour agrémenter mon yaourt à la grecque. Et le sirop de maïs peut vous être utile dans de nombreuses recettes, surtout si vous avez banni ou vous ne souhaitez pas avoir du miel, vous ne voulez pas des produits d'origine animale. Voilà, vous allez vraiment être content avec ce sirop de maïs. Sans plus tarder, je vais vous montrer les étapes pour réaliser ce sirop de maïs. Pour réaliser ce sirop de maïs, vous aurez besoin de 200 g de maïs. Un épi de maïs comme celui-ci. Le mien, il est cuit sous vide, je l'ai acheté comme ça parce que c'est pas vraiment encore la période où on trouve beaucoup de maïs. Vous pouvez très bien prendre une boîte de maïs, mais si vous êtes en Afrique, je vous conseille du maïs frais. Je vous déconseille le maïs sec, donc du maïs frais que vous achetez au marché. Voilà, donc 200 g de maïs, d'épi de maïs. Ensuite, vous aurez besoin de 650 ml d'eau. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de sel fin, une cuillère à café d'extrait de vanille bio. Si vous n'avez pas d'extrait de vanille bio, une demi-gousse de vanille, ça fera l'affaire. Ou alors encore un sachet de sucre vanille. Et vous aurez besoin de l'ingrédient principal, à part le maïs, 500 g de sucre granulé ou sucre fin. Donc du maïs, de l'extrait de vanille, du sucre, du sel et de l'eau. Tout de suite, passons à la préparation de notre sirop. En fin de vidéo, je vous dirai dans quelle préparation vous pourrez utiliser ce sirop et je vous dirai également dans quel cas il peut très bien remplacer certains éléments dans un souci de n'avoir que des ingrédients à base des ingrédients plutôt d'origine végétale, je veux dire. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les éléments dérivés des animaux, ça fera l'affaire. À tout à l'heure. Voilà, donc nous voici au fourneau. Et donc la meilleure méthode est de partir au départ d'une eau froide. C'est vrai que dans certaines recettes, on gagne du temps, on chauffe l'eau à la bouilloire. Mais pour celle-ci, il faut que l'eau soit froide, comme ça, ça va commencer à bouillir lentement et ça va permettre donc au maïs de libérer vraiment tout ce qu'il a à libérer. Donc on met de l'eau froide, 650 ml. Ensuite, on met nos morceaux de maïs que j'ai coupés en tronçons. Pour y arriver, moi j'ai utilisé un couteau à pain, mais certaines personnes y arriveraient avec une autre méthode. Donc je mets mon maïs et toute l'opération se fera à découvert, donc il faut pas couvrir. On va attendre la première ébullition. Dès que ça va commencer vraiment à bouillir, là on va réduire et ça va continuer à feu doux pendant une demi-heure, donc 30 minutes. Donc là je viens d'allumer et on va attendre que ça commence à bouillir. Voilà, donc là c'est en train de bouillir. Donc, notre feu était sur 6. Dès que ça commence à bouillir, on va descendre à 3. Et là, on laisse pendant 30 minutes que ça bouillisse. Et on espère qu'on va perdre un peu de liquide. Ça doit être réduit de moitié. Voilà. Donc, si ce n'est pas réduit de moitié, on va augmenter le temps. Au lieu de 30 minutes, on va faire 40 minutes, par exemple. Donc, voilà. Donc là, c'est 30 minutes et on se revoit après.
Voilà, 40 minutes se sont écoulées. On fait un petit test, on passe la cuillère. Voilà, ça coule quand même assez lentement. Donc ça a vraiment la consistance d'un sirop. En fait, ce qu'on peut faire, c'est continuer. Ça va être beaucoup plus épais. Mais c'est mieux de stopper parce que en refroidissant, ça épaissit également, vous voyez. Donc là, on voit que sur la cuillère, c'est pas non plus comme de l'eau. Voilà, c'est assez, la consistance est bonne. En refroidissant, ça va encore épaissir. Donc si vous le faites déjà au départ trop épais, vous risquerez d'avoir un sirop qui n'aura plus la texture d'un sirop. Pour moi, c'est bon, je vais stopper et laisser refroidir. Après quoi, je vais récupérer un bocal que j'aurai au préalable stérilisé et je mettrai donc mon sirop dans le bocal. Et je l'utiliserai pour d'autres préparations. Je vous montrerai dans les jours à venir pour quel type de préparation j'essaierai de faire une recette avec ce sirop et aussi des petites dégustations avec ce sirop. Voilà donc, ça a bien refroidi et je l'ai mis dans un pot, un ancien pot de miel. Vous voyez, d'après la couleur, ça ressemble à du miel solide. Et c'est la deuxième fois que je fais ce sirop, donc je vais vous donner quelques précautions à prendre. Ça peut arriver que ça cristallise un peu, vous voyez. Donc là, vous avez comme des cristaux, c'est dû au sucre. En refroidissant, et surtout si vous le mettez au frigo, il y a de fortes chances que vous obteniez un genre de miel solide. C'est pas grave, vous pouvez très bien le faire fondre au bain-marie, si nécessaire, si c'est pour utiliser dans des recettes où ça doit être très liquide. Sinon, pour que ce soit moins dur, que ça n'ait pas l'apparence dure, il faut stopper la cuisson un peu plus tôt quand ça paraît très liquide. Vous aviez vu tout à l'heure dans la casserole. Donc, dans la casserole, ça paraissait liquide et je vous avais bien dit que c'était bon parce que en refroidissant, ça durcissait. Alors, ce sirop de maïs peut être utilisé dans les recettes où on vous demande, par exemple, d'utiliser du sirop de glucose. Dans les recettes où on vous demande d'utiliser du miel, si vous êtes végétalien. Ceci est vraiment, il n'y a rien à base d'animal là-dedans. Dans des recettes de pancakes, par exemple, moi j'utiliserais bien ce sirop dans la recette de crêpes Suzette sans alcool. Donc, ça demande une texture genre sirop, miel. Vous pouvez l'utiliser dans vos yaourts, dans les yaourts à boire, dans des bouillies, dans beaucoup de choses pour remplacer le sucre. Le goût a un petit arrière-goût de maïs. Moi, j'ai déjà acheté du sirop de maïs du commerce. Il y a aussi cet arrière-goût de maïs, donc c'est très doux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc ici, je vais faire un petit mot en lingala. Bandeko tanga bozana RDC. En tout cas, kuna masango eza e bele bele. Okoye ko teste o meka kusala sirop masango oyo e kusunga yo. Pona lea mususu, kocha na ba yaourt na yo. Kocha na ba gato mususu. Pona osala o makamu e bele neka ato itilizaka mafuta nzoi. Me oyo eza a base ya maïs. Ya ronde nangana talisa bino lelo. J'espère que sungi bino na banda kuna bino. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit au revoir. Je serai de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui donne l'émission Moseka de Malewa Moderne. Break, the shadow starts to fade.